Les amis, aujourd'hui on va faire un ne choisissez pas la mauvaise tombe sur Minecraft. Du coup, on aura la tombe de Pooh, on aura la tombe de Sonic Smiling Critters, on aura également la tombe de Yandere Girl et pour finir, la tombe de Tristesse de Vice Versa 2. Du coup, sans plus tarder, on va... Attendez, c'est quoi ce bruit là? Wesh, c'est quoi ça? Ok, regardez les amis! Oh, il y a déjà Sonic Smiling Critters qui est là-haut! Mais qu'est-ce que tu me veux exactement là? Eh, on se retrouve après en vrai! En vrai, ouais! Mais dépêche-toi! Ok, bon, ouais, t'en fais pas! On va visiter ta tombe juste après. D'ailleurs, il est ressorti de sa tombe carrément. Bon, ça commence déjà bien cette vidéo, les amis. Mais du coup, restez jusqu'au bout si vous avez envie de voir Sonic Smiling Critters. Et du coup, on va commencer par la première tombe, c'est-à-dire celle, écoutez, de Pooh. Hein, let's go! On va aller à sa rencontre. Du coup, ok, il faut descendre les échelles juste là. C'est bon, je suis arrivé. Alors, mission. Faire passer le permis à Pooh. Oh là là, ça va être une galère. Et d'ailleurs, il est où la Pooh? Oh, what? Attendez, il est tombé du ciel carrément. Ouais, non, c'est bon, calme-toi. Arrête de crier là. C'est bon, oh, calmos. Ça va être insupportable de lui faire passer le permis de conduire. Ah, lui, je le sens. Bon, du coup, Pooh, j'imagine que t'as jamais conduit une voiture, hein. Bah oui, logique, hein, vu que t'as j'ai jamais conduit, Pourquoi tu nous parles allemand, là? Qu'est-ce qui se passe, là, Pooh, juste... Fräulein! Non, c'est bon, calme-toi. Parle français, s'il te plaît, Pooh, je sais que t'en es capable. L'autre fois, je t'ai parlé, tu parlais français. Donc voilà, je vois pas pourquoi tu parleras allemand dans cette vidéo. Surtout que tous les abonnés, ils sont français. Donc voilà, parle français. Et du coup, il y a quoi dans ce coffre exactement? Ok, regardez, il y a un bidon d'essence. Bon, Pooh, t'es prêt du coup pour passer ton permis de conduire? Oui, je veux. Ok, bon, on va déjà commencer par mettre de l'essence dans la voiture. Ça serait pas mal. Du coup, je te laisse faire. Hein. Écoute, vu que c'est toi qui passe ton permis, voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, non mais il boit pas l'essence, il est malade lui. Bon allez là, va mettre de l'essence dans la voiture. Bon de toute façon Pooh, je pense que voilà, il mange et il boit n'importe quoi les amis. Donc c'est pas trop un souci s'il boit de l'essence. Mais enfin bref, non on prend pas la moto hein, par contre. Bah ça dépend, tu veux passer le permis moto ou voiture Pooh? Moi je veux tout faire. Non on va juste faire un des deux parce qu'on aura pas le temps de tout faire. Mais on va choisir la voiture, je pense que c'est le mieux en vrai. Comme ça on pourra monter à deux dessus. C'est bon, t'as mis l'essence Pooh? Oui. Ok, ouais, je regardais sa tête dans la voiture, ça me fait trop rire. Bon, enfin bref, allez, on va monter. Dépêche-toi! Par contre, Pooh, t'es un petit peu gros, donc voilà, il y aura pas trop la place dans la voiture. Mais bon, ça va, on est un peu serré. Bon, attends, j'ai pas demandé de démarrer. Wow, hey, qu'est-ce qu'il fait là? Wow, il a déjà enfoncé la voiture dans le mur, les amis. Non, mais hey, calme-toi, sinon on pourra pas passer ton permis de conduire, la voiture sera morte là. Bon, du coup, t'es prêt à partir, Pooh? Oui, je suis prêt, oui. Ok, bon bah c'est parti, allez, je te fais confiance. Bon, respecte par contre ce premier, il faut aller à droite, hein, faut aller à droite. Mais attends, faut aller à droite. Mais t'es complètement bourré, Pooh, c'est comment là? Non. Ok, bah j'espère, hein, parce que voilà, il faut jamais manger, les amis. Ok, là, fais gaffe, il y a un stop, faut s'arrêter. Ok, c'est bon, t'as bien marqué le temps d'arrêt, tu peux repartir. Bon, là, fais gaffe en face. C'est un sens interdit, il fait marche arrière, mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là, bon, je vais apprendre les panneaux. Je crois qu'il a pas eu son code, Pooh, les amis. Code? Bon, là, fais attention, la voie normalement est rétrécie, du coup, c'est assez difficile d'accéder. Mais wesh, déjà, tu fais un excès de vitesse là, comme toi, regarde, il y a écrit 40 sur le panneau là, ça va trop vite. Oui, monsieur. Ok, bon, ça va, pour l'instant, il s'en sort plutôt pas mal, malgré qu'il a grillé, tout simplement, un sens interdit. Tu vas beaucoup trop vite, mais sinon, ça va, bon, là, c'est un stop. Regarde bien à ta droite et à ta gauche, hein, du coup, il y a rien, ça sert à rien, regardez. Il y a quoi à droite? C'est un truc rien. Bon, super, tu peux faire demi-tour du coup. Allez, d'accord. On va se concentrer. Je crois que c'est bientôt fini en plus le parcours. Oh, vroom, vroom. Non, reste, hey, roule à 40. Là, il écrit 30 en plus. Ah, ok, c'est bon, les amis. On a passé la ville. Ok, il a encastré la voiture. Là, carrément. J'ai mon permis. C'est moi le moniteur, enfin le moniteur d'auto-école là pour le coup, mais je sais pas si je lui donne son permis ou pas. J'ai mon permis. On va faire un deal, Pooh. Je vais te donner ton permis de conduire à condition que vous les abonnés vous mettiez 300 pouces bleus. Du coup, je compte sur vous. Mettez un énorme like, c'est super important. Comme ça, je donne likes. Le permis de conduire à Pooh, même si je crains que ça devienne un futur chauffard et un futur potentiel danger sur la route. Mais bon. Bon, Pooh, t'as ton permis de conduire, du coup, félicitations. Par contre, on a pas passé le permis
permis moto, André. Ok, ah. Bon, il est vraiment insupportable. Bon, du coup, t'as ton permis de conduire, t'es content, Pou? Youpi! Je vais pouvoir aller draguer des nanas avec des Ferrari! Tu vas pouvoir aller chercher des filles et les faire monter dans ta voiture. Bon, encore faut-il que t'aies une voiture, mais ça c'est ton problème. Après, enfin hop, bref. Ça c'est à moi! Du coup, non, ça c'est la voiture de ton école. C'est à moi, je dis! Elle descend là. Bon, elle est vraiment super, les amis. Bon, en tout cas, on en a fini pour cette première tombe et on va passer directement à la deuxième. Du coup, on se retrouve au lobby. A tout de suite. C'est bon les amis, je suis de retour au lobby et écoutez, je pense que le Sonic Smiling Critters, on va se le garder pour la fin parce que c'est lui qui fait le plus flipper je pense. La Yandere Girl également, regardez son sourire là, j'ai vraiment pas envie de la voir elle, par contre j'espère qu'elle sera gentille avec moi. Du coup on va aller voir Tristesse 2 Vice Versa 2, malgré que même elle en vrai, elle donne pas trop envie d'aller la voir. Regardez sa bouche là avec ses dents aiguisées là. Ok, bon j'espère que je vais pas mourir, ça serait bête de mourir déjà maintenant dans la vidéo, mais en tout cas c'est parti, on va aller à sa rencontre. J'espère qu'elle sera gentille avec moi comme Poulet, même s'il était un petit peu insupportable. Ok, alors c'est quoi cette maison? On dirait une maison abandonnée. Mission, rentrer dans le labyrinthe de Tristesse. Ok, c'est dire que cette maison c'est un labyrinthe les amis. Oh là 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 là, mais j'ai pas envie de rentrer dedans du coup là, il va m'arriver des dingueries. Bon, heureusement que c'est la mission, du coup je vais la réaliser. Mais voilà, je suis vraiment pas confiant pour le coup. Alors, aide-toi grâce à ça. Ok, on va ouvrir le coffre, il y a une torche dedans, ça veut dire qu'il doit faire tout noir à l'intérieur. Ok, ouais, effectivement, il fait tout noir. Wow! Ok, regardez, il y a Tristesse juste là. Elle m'a pas vu rentrer. Attendez, on va se cacher, les amis. Le but, c'est de sortir de ce labyrinthe, hein, je pense, du coup. Au moins, elle me voit. Mais en tout cas, je pense qu'elle sera pas commode avec moi. Ok, elle a disparu. Wow! Attendez, je l'entends pleurer. Ok, bon, on va faire attention, c'est peut-être un piège. Hein. Peut-être qu'elle m'attire vers elle, justement, pour que j'ai de la compassion envers elle. Enfin, elle essaie de faire de la pitié. Mais voilà, mon objectif moi c'est de sortir. Oh, tu vas arrêter de chuiner là. Aïe. Ok, elle était derrière moi. Ouais, d'un coup elle rigole là. Ok, bon c'était bel et bien un piège les amis. Par contre ce qui me fait peur c'est qu'elle était derrière moi. Elle m'a mis un coup et elle a disparu. Donc ça veut dire qu'elle peut se téléporter les amis. Ok, et en plus de ça, voilà, je ne sais absolument pas où est la sortie du labyrinthe. Ok, wesh, elle est juste là les amis, elle a cassé un carreau. Ok, elle a redisparu. Ah, il y a une échelle juste là, on va monter au deuxième étage du coup. Aïe, ok, elle essaie de m'attaquer là. Oh, vite, il faut que je cours les amis. Ok, elle peut se téléporter du coup, ça me fait super flipper. Malgré que Tristesse soit gentille de base là, pour le coup, elle a l'air plutôt méchante les amis, hein. Je suis vraiment pas rassuré. Ok, en plus il y a des chaînes là accrochées au plafond là, c'est quoi ce délire? Aïe, oh, elle m'attaque! Elle m'a bloqué dans une toile d'araignée! Ok, faut vraiment que je trouve rapidement la sortie, les amis. C'est peut-être par ici. Ok, par ici on n'est jamais venu encore. Let's go. Ah, wow, ok, vite, on court. Oh les amis, je peux pas courir en plus. Oh là là là, non, elle m'a rebloqué dans une toile d'araignée. Ok, ça doit être par ici la sortie. Attendez, on va regarder. Hop, aïe, dégage de là. Ok, je l'ai frappé, elle a disparu du coup. Alors, retrait effet, ça sert à quoi ça? Ok, j'ai plus l'effet de blindness, du coup, j'ai ma vision. Et la sortie, ok, on va appuyer sur le levier. Oh, ça nous a téléporté dehors. Mais elle est encore là pourtant. Ok les amis, bon on va vite courir, je peux pas trop m'enfuir là, je sais pas où on pourrait aller. Mais en vrai j'ai réussi la mission, donc normalement elle devrait être gentille avec moi. Hé, hey, Tristesse. Ah bah ok, elle m'a donné son couteau du coup. Elle est triste les amis parce que j'ai réussi la mission. Bon bah tant pis, hein. Moi le principal voilà, c'est que je ressorte en vie. Tant pis pour elle si elle pleure les amis. Bon bah en tout cas c'est encore une fois une mission réussie. Et on va se retrouver déjà pour la troisième tombe au lobby. Du coup à tout de suite les amis. C'est bon les amis, je suis de retour au lobby. Il reste du coup plus que deux personnages déjà. Alors comme je vous l'avais dit, on va voir le Sonic Smiling Critters à la fin. Du coup on n'a pas le choix, on va devoir aller voir la Yandere Girl. Je suis vraiment pas rassuré, déjà que Tristesse m'a fait super peur. Là ça va être encore plus flippant. Ou peut-être pas, hein, qui sait, peut-être qu'elle sera gentille avec moi. On va le découvrir dans un instant puisque je vais rentrer dans sa tombe. Let's go. Ok c'est bon, je suis arrivé. Alors, mission affronter la Yandere Girl au Bill Battle. Oh ok, bon ça a l'air une mission plutôt sympa. Coucou la Yandere Girl. Salut. T'es pas méchante avec moi en vrai? Voilà non hein. Comment ça, voilà? Mais attends, mais t'as des origines arabes, la Yandere? Non. Et de base, une Yandere, en plus, c'est les filles au Japon, je crois. Hein. Bon, enfin, bref. Du coup, on va devoir s'affronter au Bill Battle, si j'ai bien compris.
Chaud patate. Ok, bon, par contre on va build quoi exactement? Et moi je te préviens, je suis éclaté au sol en build, hein, donc... Ouais, j'ai vu tes vidéos, ouais, ouais, t'es nul. Tu regardes mes vidéos? Ok, bah ça fait plaisir alors, même si, voilà, tu m'as quand même critiqué là, mais bon, enfin bref. Du coup on va build quoi aujourd'hui la Yandere? Un miroir. Un miroir, ok, un miroir. Bah, t'es pas une fille pour rien, effectivement, bon, j'ai ma petite idée en tête après, voilà, peut-être que je vais faire un miroir stylé, on verra bien. Bon bah du coup, écoute, bah on va commencer, hein, si t'es prête, hein. C'est parti. Allez, c'est parti. Du coup, regardez les amis, je vais poser un petit miroir ici, et on va tout simplement s'inspirer de ça. Par contre, je sais pas si on aura la place pour faire un très très grand miroir, au pire, on va commencer ici les amis, hop, let's go. T'as déjà ta petite idée en tête, toi, la Yandere, en vrai? Ouais, ouais. Eh ben, je m'en fous, raconte pas ta vie, en vrai. Non, je rigole. Hop, let's go. Non, déjà que je suis tombé avec tristesse tout à l'heure, elle faisait que de chialer. Voilà, j'ai pas envie de me recoltiner quelqu'un qui pleure, encore une fois. Hop, let's go. Alors, on va faire, du coup, le socle du miroir, les amis. Ok, comme ça. Et, ah ouais, l'intérieur, ça va être beaucoup trop technique, hein. Par contre, je pense pas que je serais capable de faire ça. Ouais, surtout qu'il n'y aura pas la place. Bah écoutez les amis, on va faire juste un miroir comme ça. On va essayer de faire une forme un petit peu arrondie. Hop, let's go. Ok, bon pour l'instant ça va. Je m'en sors plutôt pas mal les amis, moi qui ai éclaté au sol en build. Et du coup là on va faire l'intérieur du miroir. Bon bah logiquement on va mettre des blocs plutôt gris, hein. Voilà, on pourra pas faire un effet miroir sur Minecraft les amis. Mais voilà, on pourra faire un truc qui ressemble. Du coup on va mettre ça à l'intérieur, je pense que c'est pas mal. Hop, let's go. Ok, hop, c'est parti. Ok, c'est bon. Ouais, bon, mon miroir il est pas terrible en vrai, je vous avoue les amis. Attendez, comment on pourrait l'améliorer en vrai? Peut-être en mettant des blocs blancs à l'intérieur, je sais pas. On va essayer de faire un truc comme ça, genre qui part un petit peu à la diagonale. Ah, quoique en vrai on a un petit truc je crois. Bah moi perso j'ai bientôt fini, hein, je sais pas pour toi la Yandere en vrai. Ouais je ouais pense bientôt pas que bientôt. Pourrais faire mieux. Ah ok attendez, on va, au pire on va essayer d'allonger le socle comme ça. Ok hop. Bon après je t'avoue j'ai un petit peu triché. Avant hein. J'ai pris un modèle mais tu m'en voudras pas vu que je suis éclaté au sol. Alors t'as perdu. Non j'ai pas perdu. De toute manière ce sera à vous les abonnés en commentaire de nous dire bah, quel est le plus beau miroir. Après ça j'avoue que c'est peut-être en trop en vrai. Attendez on va essayer de monter comme ça. Hop. Ouais quoique. Bon on dirait plus un bonhomme là avec des bras. Mais en vrai il y a un petit truc en vrai. Je suis plutôt fier de mon petit miroir les amis je vous avoue. Pire attendez on va essayer de le relier comme ça. Ok. Ah franchement ouais c'est pas mal. Bon on va cacher ça du coup. Bon bah écoute pour moi j'ai fini personnellement. Je sais pas pour toi la Yandere. J'ai fini aussi. T'as fini aussi. Ok bon bah nickel les amis. On va découvrir la création de la Yandere. Et bah du coup c'est parti. Alors qu'est-ce qu'elle nous a fait? Attends c'est quoi, c'est un miroir ça? Oh mmh. Ok regardez elle a fait du coup le visage d'une fille. Ok ouais mais ton miroir, enfin l'intérieur j'ai l'impression qu'il est un petit peu cassé en vrai hein. Mais c'est son reflet. Ah ok ouais t'essaies de faire son reflet. Ah en vrai ouais j'avoue il y a de l'effort même si ça ressemble un petit peu à rien à l'intérieur. J'avoue c'était une bonne idée. Je me suis retourné j'ai vu ta chose hein donc. Bah en vrai il est bien mon miroir non t'aimes pas? Il est dégoûtant. Mais regarde, en vrai, je me suis inspiré de ça, regarde. C'est pas mal, en vrai, c'est un petit miroir, là, que les filles utilisent pour se maquiller. Ah, j'aurais plus dit, tu t'es inspiré du miroir de la méchante dans Blanche-Neige, mais c'est pas grave. Ok, bon, j'ai pas la ref, mais en tout cas, voilà, bon. Bah, écoutez, les amis, j'arrive pas à me décider. Parce que d'un côté, y a du détail au niveau de son miroir à elle, mais voilà, il ressemble un peu à rien, je trouve. Même si, voilà, j'avoue que la fille et tout, ouais, c'est pas mal, en vrai. Du coup les amis on n'arrive pas à se départager donc ça sera à vous de nous dire en commentaire bah, quelle a été la plus belle création. Et d'ailleurs pour toi c'est qui a gagné? Bon j'imagine que c'est toi. Mais bien sûr que c'est moi. Ouais bah on verra, ça sera les abonnés qui vont décider. En tout cas mais qu'est-ce que tu fais là? Wesh. Ok, ouais. Eh non par contre t'étais gentil depuis le début là. Commence pas à péter un câble à Yandere. Elle fait quoi là? Elle a brûlé ma création carrément. Ok. Ah tu veux vraiment brûler? Y'a pas de soucis ouais, bon, 3, amis, 2, je 1 je crois que c'est le moment de partir d'ici. Parce qu'elle va complètement péter un câble là. Jusqu'à présent elle était gentille. Ok elle a tout cassé les amis. Et je peux même pas sortir en plus. Oh là 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 là. Okay, tiens, okay. Mets-toi là. Bah, juste je vais à pas mettre là, mais vas-y, allume la TNT si tu veux, ouais, comme ça je vais pouvoir m'échapper. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle met plein de TNT derrière moi. Ok, let's go, on se barre d'ici, les amis. Ok. Bon, bah, du coup, on se retrouve au lobby pour la dernière tombe de cette vidéo. A tout de suite.
C'est bon les amis, je suis de retour au lobby et je me suis équipé de mon petit couteau que Pou m'avait donné. Ah non, c'était même pas Pou, c'était Tristesse, du coup elle m'avait donné son couteau. Puisque regardez, la nuit vient de tomber, il est presque 3h du matin et comme par hasard, on va devoir aller voir le dernier personnage de cette vidéo, sûrement le plus flippant, le Sonic Smiling Critters. Du coup, bon, bah quand il faut y aller les amis, j'ai pas le choix. Du coup c'est parti, je descends l'échelle, ok on est arrivé. Alors, mission, faire une épée en diamant et affronter le Smiling Critter Sonic. Ok. Wow! D'ailleurs, j'avais pas vu! Aïe! Wow! Il m'a jeté une boule de feu en pleine tête! Mais j'avais pas vu, il était juste derrière la source d'eau là! Ok, il est vraiment pas là pour rigoler, les amis. Bon, on va rentrer du coup dans ce que je pense. Ouais, je pense que c'est son arène, hein, du coup. Bon, déjà, il y a des diamants en l'air là, comme ça. On va aller les récupérer après. Mais du coup, on va faire étape par étape là d'abord. Il va falloir récupérer du bon, on va essayer de se dépêcher par contre les amis, parce que là il s'est téléporté le Smiling Critters, mais actuellement il doit me regarder je pense, enfin je suis vraiment pas rassuré d'être ici, donc on va vite faire l'épée en diamant et l'affronter puis se tailler d'ici si jamais on arrive à le battre, hop, ok allez let's go, je fais un établi les amis, ah ouais il faudra faire des pioches et tout, ouais, ça va faire galère, aïe, ok je me suis fait attaquer, il y a personne derrière moi, ok bon il veut se la jouer comme ça. Aïe, ok. Il s'est re-téléporté, ouais ça sert à rien de regarder derrière moi en vrai. Bon en vrai tant qu'il me fait pas plus que, enfin de dégâts que ça, ça va. Enfin qu'il me laisse au moins faire ma petite épée le temps que je sois pris pour le combat. Aïe, oh, ok bon j'ai parlé trop vite les amis, il a refait une explosion de feu. Ok, par contre là du coup il a cassé les blocs. Attendez, non je crois pas qu'il a cassé les blocs. Bon il me faut 11 de pierre par contre. Il m'en reste encore 3 à récupérer. Allez vite vite on se dépêche les amis. Wow c'est quoi ça, ok il balance des salves. Enfin des salves de feu là carrément. Wesh il est vraiment énervé le Sonic Smiling Critters. Alors ok c'est bon, du coup on a la pioche en pierre. On a le fourneau, on va poser ça ici. Par contre je vais faire chauffer ça comment? Ça c'est une bonne question, au pire on va mettre ça là dedans. Ok bon maintenant il faut récupérer 3 de fer les amis. Ensuite on aura la pioche en fer et on va pouvoir aller récupérer les petits diamants qui sont là-haut. Et du coup en attendant bah, que le fer chauffe, je vais tout simplement aller récupérer encore d'autres blocs. Ok il est juste là, oh il s'est re-téléporté les amis. Je vais récupérer d'autres bûches pour aller chercher les diamants qui sont en haut ensuite. Hop. Oh, il est juste à ma droite, vous le voyez les amis, oh là là, j'ai super peur. Aïe, aïe, oh, ok, ok, celle-là, elle m'a fait mal, la boule de feu, là, perso. Ok, bon, j'ai 3 bûches, on va essayer d'en récupérer encore une ou deux, comme ça, on va pouvoir monter tout en haut de l'arbre, les amis, ça devrait suffire. Hop, ok, c'est bon, on a les bûches, on va voir si le fer a fini de cuire. Ok, ça a fini, c'est carré, les amis. Hop, alors, du coup, on se fait... C'est carré dans l'axe. Ouais, c'est carré le S, comme dirait le tonton Naps. Hop, let's go. Bon, du coup, allez, on va monter dans l'arbre maintenant. On va éteindre les flammes, quand même, par contre. Hop, ok, let's go, let's go, let's go. Allez, c'est la dernière ligne droite, les amis. Je récupère sous ça. Et ensuite... Non ! Non, ah ok, non ça va, j'ai eu peur les amis. Ah mais attendez, j'en ai que deux. Ah ouais, mais ça suffit pour faire une épée. J'ai eu peur que les diamants soient tombés par terre dans, enfin, dans le feu les amis, mais ça va. Bon, du coup c'est bon, j'ai mon épée en diamant. Je suis prêt, le Sonic Smiling Critters. Oui. Tu te caches où là, exactement là? Viens, allez, je vais te déplumer là, comme un petit poulet que je suis. Hop. Oui. Wow, il a carrément fait une tornade de feu là. Ok, ok, il a l'air super puissant les amis. Je sais pas si je vais ressortir vivant de ce combat, mais bon, on va essayer hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Hop, allez, c'est merci parti. Là. Arrête de faire le mec qui fuit là. Fais-moi un petit hérisson d'amour là. Que je te mette là, patate de ta vie. Hop, viens. Allez. Ok, c'est bon, je suis bien. Regarde, il me faut même pas. Oh, ok, 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 il se retourne carrément et tout. Il nous fait des trickshots à la Call of Duty là. Aïe, wow, ok, ça fait mal, ça fait mal. Allez, viens là, que je t'attaque. Oh, j'ai pris la moitié de ma vie déjà, rien qu'avec le feu. Ok, j'arrive pas à l'attaquer, c'est quoi ça? Attendez, ah si, j'ai réussi à lui mettre un coup, je crois. Ok, viens là, viens là, viens là. Oh, ok, ok, ok. Hop, allez, ah, mais il se sert du feu hein, vu qu'il peut tirer à distance en vrai. Mais moi, je peux l'attaquer au corps à corps, donc j'ai pas le choix. Faut vraiment que je reste focus sur lui, les amis. Hop, allez, 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 allez. On l'attaque, on l'attaque, on l'attaque. Ok, je crois qu'il est en train de souffrir, les amis. Ça lui fait mal les coups d'épée. Let's go. Ok, on a réussi à le battre, le Sonic Smiling Critters. Bon, c'était plutôt compliqué. Il m'a fait quand même mal. Hein. J'ai failli mourir à un moment. Mais du coup, on va vite se tailler d'ici. Hop, ok.
Wow, je peux enfin souffler les amis. Bon, en tout cas, cette vidéo touche à sa fin. On a visité toutes les tombes. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications. Mettez également les 300 likes, c'est super important. Ainsi que le petit commentaire pour me dire qui a gagné le build battle entre moi et tout simplement la Yandere Girl. Et du coup, un grand merci également à DK d'avoir participé à cette vidéo. Sa chaîne sera en description. Sur ce, c'était Razen. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut, salut.